votre iPhone est bloqué sur réseau, je vais vous montrer comment le débloquer dans cette vidéo. Donc regardez cette vidéo parce que c'est une processus qui est très payante et je vous offre ça gratuitement. Donc restez dans cette vidéo jusqu'à la fin afin de comprendre comment le déblocage réseau des iPhones marche. Donc on va aller tout juste, je vais vous montrer comment mon iPhone fait. Ici, comme vous pouvez voir, notre iPhone est actuellement sous le menu. On peut tout faire. Mais dès qu'on met tout juste la carte SIM, là j'ai la carte SIM Airtel. Si je mets la carte SIM à l'intérieur, vous allez voir, ça va nous faire une erreur. Donc là, ça revient directement sur Yellow. Alors que dans un instant, c'est tout sur le menu ouvert. Donc ici, quand on attend un peu, ça va nous écrire SIM non prise en charge. Ce qui veut dire que le téléphone est bloqué sur l'opérateur. Mais comment vérifier tout simplement il est bloqué sur quel opérateur? On va passer sur l'ordinateur et on va aller vérifier l'opérateur de cet iPhone 6 Plus S. Quand vous pouvez voir notre iPhone. Restez concrètement concentré afin de comprendre cela. Ici, comme vous pouvez voir notre iPhone sur 3 et tous, on va tout simplement copier le serial number, donc le numéro de série, et puis on va venir sur le site sic.com. Donc je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ici, on va tout simplement coller le SN qu'on vient d'enregistrer. On va venir ici et on va choisir l'option carrière, donc iPhone carrière. On va vérifier quel est l'opérateur de cet iPhone. Donc on va appuyer sur vérifier, donc et le check. Ok. Donc cette site là va nous permettre de vérifier simplement c'est bloqué sur quel opérateur. Ici on peut voir ici c'est Canada Roger. Ok, on peut voir ici c'est SIM lock et donc la carte SIM est bloquée. Ok, donc là déjà on peut savoir déjà que notre iPhone vient de l'opérateur Canada Roger. Donc tout simplement après ça vous allez aller tout simplement sur votre serveur pour le reste de votre travail. Ok, donc pour moi je vais tout simplement entrer sur un serveur que j'utilise. Ici je vais tout simplement à partir sur la partie email de mon serveur. Restez dans cette vidéo jusqu'à la fin, restez très concentré. Ici là je vais tout simplement faire que je vais rechercher l'opération du déverrouillage du réseau de mon iPhone qui est de Roger Canada. Ok, donc là je vais écrire tout simplement Canada comme mot clé afin de retrouver l'opération. Ici je vais descendre en bas, ici je vois Network Lock. Ok, ça c'est Samsung, ça c'est générique. Ici on va descendre en bas, on va voir là on écrit phone. Ok, on va voir en bas, on va descendre, on va essayer de voir tout simplement l'option qui va directement avec notre opération. Ici on voit Canada Roger full premium iPhone jusqu'à iPhone 15 Pro Max, donc 3 jours $6. Donc pour 3 jours $6 c'est très petit. Donc ici on nous demande de mettre l'email de notre téléphone. Donc on va venir ici, on va prendre tout simplement l'email de notre téléphone, on fait une copie, on vient ici et on vient coller ça. Ok, donc lorsqu'on vient coller ça, je vais ajouter 0. Ok, là c'est bon. Je vais tout simplement voir ici, c'est bon. Je vais mettre mon code de sécurité. Ok, dès que c'est mis, je vais appuyer sur placer mon order. Donc je vais placer tout simplement ma commande. Donc comme vous pouvez voir ici, je viens de placer ma commande. Donc ça va faire 3 jours afin que le serveur puisse enregistrer et débloquer tout simplement mon iPhone. Donc là, il est en cours. Comme vous pouvez voir ici, il est en cours. Mon iPhone est en cours. Attendez. Faisons d'abord une pause. Je vous ai montré cette méthode-là. Sur YouTube, il n'y en a pas. Mais pourquoi tu n'as pas liké la vidéo? Pourquoi tu n'as pas liké la vidéo? Mais tu t'es même pas abonné? Non. Mais je mérite des acclamations. Stop. Likez la vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas de partager cette vidéo à plus grand nombre de personnes. C'était Bypass Tech D142, la chaîne de l'excellence. Peace out.